L'objectif aujourd'hui, c'est premièrement de permettre à nos ambassadeurs de partager leurs expériences et deuxièmement, c'est de leur donner les clés pour être de véritables influenceurs. Un des objectifs importants de la journée, c'était que chacun prenne conscience de l'impact des réseaux sociaux sur le recrutement, que chacun se sente un acteur du recrutement, à même de communiquer sur les réseaux sociaux l'expérience vécue chez EY. On va leur offrir un maximum de clés pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux. On a 9 ateliers qui leur sont proposés tout au long de la journée. Prendre une photo, capter un événement. On a aussi un atelier sur le vidéojournalisme pour apprendre à mener une interview. D'autres ateliers aussi autour du community management, autour du digital. Nous avons travaillé à définir des solutions et des actions pour améliorer la communication d'EY sur les réseaux sociaux notamment. On vit l'expérience EY à fond en se disant les gens doivent savoir et en réalité à l'extérieur personne ne sait toutes les actions qu'EY met en place. On est tous ambassadeurs, tous les managers, les opérationnels qui font des relations écoles, des actions campus au quotidien. On a besoin de visibilité et de personnes qui puissent relayer nos actions d'engagement. On fait beaucoup de choses sur la diversité et l'inclusion, il y a une dynamique forte sur le sujet, sauf qu'elle est méconnue aujourd'hui, et donc je compte beaucoup sur les ambassadeurs diversité et inclusion pour relayer ce qui est fait. Le message à faire passer aux ambassadeurs, c'est d'être eux-mêmes, d'être curieux de tout ce qui se passe chez EY. Soyez ambassadeur tous les jours, autant que vous le pouvez, c'est pas si compliqué de pousser des contenus, de faire passer vos convictions. Aux ambassadeurs du capital humain de EY, je voudrais d'abord leur dire merci de votre investissement et je voudrais leur dire n'hésitez pas à parler de tout ce que vous faites dans cette maison pour le bien commun et pour notre entreprise.